Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau vlog. Lundi, je vous ai filmé une vidéo sur des conseils pour gérer les arrosages, donc vous verrez ça dans le courant du mois. Ensuite, je me suis occupée de cette Marenta qui a des trips, je n'avais absolument pas vu, donc je l'ai traitée avec le prêle aïétain de chez Ayako et j'ai utilisé le pulvérisateur avec la buse pour cibler, pour venir déloger les nuisibles. On passe direct à mercredi puisque mardi j'avais pas été très bien, donc c'était journée repos. Mercredi du coup je vous ai filmé une vidéo et je suis passée aussi après pour vous filmer un petit peu les semis pour l'évolution. Ça a bien poussé, certains ont même commencé à filer, donc il va falloir que je m'en occupe ce week-end. Je suis passée en extérieur aussi, j'attends avec impatience mes petites tulipes. Et je vous montre ici une petite fleur d'anémone. Et les narcisses qui arrivent aussi. Je suis ravie de vous retrouver en meilleure forme quand même, ça fait du bien, pour vous partager un petit produit, enfin plutôt trois produits d'une même marque qui est Ayako. Ben, j'ai la chance cette année de faire partie de leur programme d'ambassadeur, donc je les remercie encore beaucoup. Du coup, j'ai reçu la deux de leurs produits et c'est une marque que je connais depuis l'année dernière parce que je l'utilisais déjà. J'avais acheté celui-ci l'année dernière pour tester, on le voit, c'est la bouteille relique. Elle est en plastique et il y a toujours l'ancien nom dessus. J'avais pris prêle aïétain, donc ça c'était pour améliorer la résistance des plantes. Et du coup, on peut l'utiliser pour les nuisibles et c'est ce que j'avais fait. L'année dernière, je l'avais utilisé pour des acariens sur un hortensia à l'extérieur, des pucerons à l'extérieur, des acariens que j'ai eu en intérieur également. Je l'avais testé, il avait bien fonctionné aussi. Et je l'avais testé une fois sur des trips, mais c'était beaucoup trop avancé. Là, j'ai vu que ma Marenta avait des trips, donc voilà, je reteste pour les trips une fois qu'ils sont déjà là, même si la Marenta est aussi bien infectée, j'ai vu. J'ai pas vu d'adultes, j'ai vu que des larves. Allez comprendre. Et j'ai regardé mes autres plantes, elles n'ont pas l'air d'en avoir, mais je ferai quand même un traitement préventif sur toutes pour être sûre. Mais voilà, moi j'avais déjà été super convaincue par celui-là. Je vous l'avais dit d'ailleurs en vidéo, il me semble que bah, je comptais tester les autres. Quand je vous avais reparlé de celui-là, je pense que c'était dans ma vidéo d'idées cadeaux pour plantes addictes à Noël ou quelque chose comme ça. Je l'avais intégré dedans. Franchement, c'est des super produits. C'est des plantes pour soigner des plantes. Voilà, donc vous avez des plantes soigneusement, précautionneusement choisies. Des plantes qui sont françaises, agriculture du coup biologique pour les plantes. Vous avez dedans de l'eau, de l'alcool de grain. Ça c'est normal, il faut toujours un petit peu d'alcool pour la conservation. En plus là c'est de l'alcool de grain, donc c'est d'autant plus cool. Et c'est tout, voilà, il n'y a absolument rien d'autre dans ces produits, c'est juste génial. Vous savez que voilà, moi j'adore utiliser que des produits naturels, tant pour l'extérieur que pour l'intérieur au niveau déjà de ma maison, etc. Des plantes aussi. Et du coup, voilà, cette année, je vais du coup pouvoir tester le souci ortie et sureau. Donc celui-là, c'est spécial plante d'intérieur. Ça va permettre d'améliorer, si vous voulez, un petit peu le système immunitaire comme ça de vos plantes. Il suffit de venir soit le vaporiser directement sur le feuillage. Par contre, toujours faire attention quand vous pulvérisez des produits, peu importe le produit que c'est, naturel, chimique, peu importe.
faites attention, ne pas les faire en plein soleil. Ça, c'est très, 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 très important parce que ça peut vraiment venir brûler le feuillage. Même un produit naturel, cette réaction avec le soleil, au fait, ça peut vraiment brûler les feuilles. Donc, faites juste attention à ça. Avec celui-ci, c'est vraiment la seule précaution, je dirais, à avoir, c'est ça. Voilà, sinon, il n'y a pas de précaution particulière. Donc, soit vous vaporisez, soit pour les boutures, vous pouvez l'utiliser dans l'eau de bouturage. Donc, c'est un bouchon par litre d'eau. Vous pouvez vaporiser sur les succulentes et plantes grasses au niveau du substrat lorsque la terre est sèche entre deux arrosages et bien évidemment vaporiser comme je disais sur le feuillage des feuilles. Le feuillage des feuilles, oui, le feuillage des plantes, ça va aller. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir tester celui-ci, je l'ai déjà vaporisé une fois. Et j'ai aussi reçu donc le camomille, sauge et valériane. Donc celui-là, c'est pour la levée des semis et également faciliter l'enracinement. Et franchement, il fonctionne du tonnerre au niveau des semis. J'ai pas encore testé avec des boutures, mais on va faire le test ensemble parce que je vais devoir faire des bouturages d'urgence sur 4 plantes, donc je vais faire ça, enfin 5 si je compte celle-là. Je ferai ça avec vous vraiment en vidéo, vous verrez quelques petits passages dans ce vlog et ce sera vraiment le sujet d'une vidéo complète, comme ça je vous montrerai tout. Et on fera du coup le petit test ici pour les boutures, parce qu'on peut l'utiliser aussi celui-ci. Hein. Sur les jeunes plantes et les boutures, pulvériser directement le feuillage une fois par semaine dès la formation de vraies feuilles pendant toute la période de croissance. Et pour les boutures dans l'eau, une cuillère à soupe pour 25 centilitres d'eau. Voilà. Donc, vous avez évidemment plus de conseils aussi sur leur site. Donc, n'hésitez surtout pas. Et je vous le partage du coup ici. Ayako donc, nous a donné à chaque ambassadeur un petit code promo pour vous permettre d'avoir une réduction. Donc, avec mon code promo Maison 10, vous pouvez avoir du coup 10% de réduction sur votre commande sur leur site internet. Et en ce moment, je ne sais pas si ça vous intéresse aussi, je vous le dis, il y a une nouveauté chez Ayako, ce sont les recharges concentrées élaborées pour justement, toujours dans cette optique de faire le moins de déchets possible. Donc vous gardez vos précieuses bouteilles comme ceci en verre, vous mettez la recharge, vous remplissez le restant d'eau jusqu'au goulot, vous laissez un petit peu et puis vous avez de nouveau votre produit. Donc vous avez une campagne sur Ulule, donc n'hésitez pas, je vous mettrai si vous voulez le lien en description de la campagne Ulule Ayako. C'est pour précommander vos recharges et vous avez du coup des petites contreparties, etc. Donc voilà, ça peut vous intéresser. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous en parler aussi, puisque si je peux les soutenir, moi ça me fait super plaisir. Et du coup, c'est une marque vraiment que j'apprécie depuis l'année dernière. Donc je suis très contente de pouvoir tester leurs autres produits comme ça et vous faire des petits retours. Donc je ne manquerai pas de faire des petits retours et des expériences avec vous ici en vidéo et puis aussi sur Instagram. Moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vais filer faire justement les fameuse bouture d'urgence et vous filmer du coup tout ça pour vous en faire une vidéo complètement dédiée. Voilà, du coup je vous laisse avec la suite de ce vlog. Je vous montre quelques petits passages de ma séquence bouturage que vous verrez du coup prochainement. On se retrouve un petit peu face caméra. Je vais vous montrer l'évolution des oxalis. Alors j'espère que ça va pas trop trembloter parce que j'ai le pied qui tient normalement le téléphone, le stabilisateur au fait qui n'a plus de batterie. Au moins on retrouve les vlogs d'antan, j'ai envie de dire, à main levée. Mais bon voilà, je suis une petite mamie tremblote, donc j'espère que ça va pas trop trembler pour vous. Je vais vous montrer les oxalis. D'abord la première, alors celle-là je peux prendre le pot, c'était les oxalis d'épeille. Comme vous voyez, il y a toujours rien. Voilà, donc mais je l'avais dit hein, quand j'avais planté le tout, que j'étais assez sceptique au vu de l'état des petits bulbes, parce que c'est une que j'avais achetée, c'était un craquage impulsif clairement. Je l'avais acheté en plein hiver, il faisait super froid, le terreau quand je l'avais reçu était hyper humide. Donc voilà, et puis je les avais vite coupées du coup pour qu'elles puissent dormir, mais les bulbes n'ont pas bien passé l'hiver. Donc je vais encore attendre un petit peu parce que je ne connais pas du tout ces oxalis-là. Je ne sais pas si ça prend plus de temps ou pas. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous savez.
Et pour l'autre, ben, je vais retourner la caméra et je vous montre ça. Donc voilà, vous voyez, ça a bien poussé. Alors elle se tourne toujours vers la lumière, donc je retourne chaque fois le pot. Je ne sais pas si vous les voyez bien, on ne voit pas bien les détails. Voilà. Ce sont celles-ci avec le centre plus clair. Elle fait pas mal de fleurs aussi déjà, donc ça c'est chouette. Il y en a un petit peu partout. Voilà, donc pour l'instant je la garde encore en intérieur parce que franchement il ne fait pas joli par chez nous en Belgique. Et ensuite, bah, elle ira comme les autres années en extérieur. Et là maintenant, je vais terminer ce vlog en m'occupant de quelques plantes. Je vais faire des arrosages, je vais regarder un petit peu s'il n'y a pas de feuilles qui auraient jauni ou autre à retirer. Et je vais aussi venir appliquer un petit produit de chez Ayako, donc celui pour les plantes d'intérieur, parce que je ne l'ai pas encore fait cette semaine. Donc voilà, je vais faire ça avec vous en vidéo. Je vous fais déjà de vive voix des petits bisous green, puisque je vous laisse avec ces images là pour la fin de ce vlog qui j'espère vous aura plu. J'en profite pour vous montrer du coup quelques petites boutures et nouvelles pousses, notamment sur mon asparagus qui reprend là. On voit bien que c'est le printemps, donc je suis très contente, ce qui fait vraiment plein de nouvelles pousses un petit peu partout. Ensuite j'ai regardé les plantes qui devaient être arrosées ou non.